Salut à tous, on se retrouve là pour un petit live une petite demi-heure, une heure sur des Z. Des Z où on va tenter, je vais muter le son de mon TS pour éviter que vous entendiez tout le monde parler. On va tenter de rester samedi et trouver le matériel médical nécessaire. Comme vous voyez, je me connecte à un serveur où il y a quand même des joueurs de connectés. Donc je ne suis pas tout seul. Et je vais me connecter immédiatement. Si vous désirez participer, vous pouvez aller dans le chat, il n'y a aucun problème. Vous êtes les bienvenus. Donc comme vous pouvez le constater, grâce à... Je suis désolé de dire magnifique bug de la part de DZ Standalone, je recommence donc tout à zéro. Ce qui veut dire comme ceci. Pas vraiment la joie de vivre. Je vous l'avoue tout de suite. J'ai peut-être augmenté la luminosité. Voilà, et donc le but c'est de trouver du matériel médical. Comme vous voyez, le serveur nécessite une connexion au TeamSpeak 3 parce que sinon vous risquez d'être kické. Cela juste pour permettre aux administrateurs de savoir qui est sur le serveur et d'éviter d'avoir des problèmes avec, avec des joueurs, ce qui permet de gérer le fusquet un peu. Ok, j'ai une boîte de thon vide sur moi, très intéressant. Et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Bon, on a une solution pour s'en débarrasser. Voilà. Et donc on est parti. Ah oui, à titre informatif, on va jouer roleplay. Parce que voilà, c'est mon style de jeu. Roleplay, c'est une chose que j'apprécie énormément. Je pense que DZ peut très bien s'apprêter à ce genre de. À ce type de jeu. À ce type de manière de jouer. Donc on va tenter d'essayer d'être le plus roleplay possible et d'être le plus friendly possible, ce qui n'est pas toujours facile. Je vais peut-être vous diminuer un peu le son de la musique. Ouais, quand vous l'entendez, j'écoute du Queen, parce que j'aime bien Queen. Voilà. Je trouve à manger rapidement. Mieux ça serait de trouver une hache déjà pour se défendre. Parce que depuis nous sommes actuellement en 0.47. Depuis la 0.47 les zombies ont des petits problèmes concernant la hitbox. Ils sont plus forts mais il est beaucoup plus difficile de les tuer. Et à main nue, figurez-vous que je n'ai jamais eu affaire à eux. Et franchement j'ai déjà eu beaucoup de mal à la hache. Donc à main nue je ne suis pas pressé de savoir ce que ça va donner. On va se balader pendant des heures sur le petit chemin, ça va être génial. Malheureusement, bon ben c'est un live, hein, donc je vais pas vous. Je vais pas vous passer tout le temps de la balade. Ça risque d'être un peu compliqué. Je pourrais, mais vous perdriez quand même une grande partie de live. Ce qui n'est pas intéressant. Ça. Pas grand chose à proximité. Ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas de joueur à proximité non plus. Donc au moins, je risque pas un combat contre un autre joueur, surtout en étant en t-shirt. Comme on dit si bien. Ah. J'ai difficilement le sens de l'orientation, donc. S'il y en a qui veulent participer, il y a un endroit où je me trouve et l'endroit où je pourrais me diriger, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. N'hésitez pas à m'indiquer l'endroit où je suis et l'endroit où je dois aller. Ah, une grange immobile. Bon. Je vais faire un petit peu attention quand même. Même si bon, je peux pas faire beaucoup de mal à un autre joueur. Ça commence très fort. Ça commence très fort, absolument rien dans cette petite grange. On va continuer notre route. On va voir un commissariat de police. Il
où il n'y a pas grand monde. J'espère qu'il n'y a réellement pas grand monde. Ça m'arrangerait. Ça, bon, une banane, comme vous voyez, s'il y en a qui ne connaissent pas le jeu, quand il est marqué rotten, je vous conseille pas de la manger, c'est une très mauvaise idée. Ah voilà, tout commence déjà un petit peu mieux. Un sac, on va pouvoir déjà stocker un peu plus que si on avait qu'un pantalon. On va aller dans le centre du village, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Pas grand chose à prendre la nuit. Comme je l'ai dit, on va essayer de jouer friendly le plus possible. Si j'ai une arme au maximum sur moi, on va essayer de prendre que des types pistolets ou des choses comme ça. Des choses qui peuvent sembler pas trop agressives envers les autres joueurs. Et on verra un petit peu comment réagit la communauté. Bon, je vais vous dire franchement, j'ai quand même quelques heures de jeu sur des standalone et la communauté, je sais que d'habitude elle ne réagit pas très bien. Ok, mais pour le moment, on a trouvé un sac. Oui, d'accord, c'est très bien, mais on n'a pas trouvé à manger à boire, ce qui est quand même la priorité. Ah, petit lag, désolé. Pour le moment, nous n'avons vraiment pas de chance. Un kiwi, nickel, en parfait état, on va le manger tout de suite. C'est pas tout ça, mais toute sa balade, ça donne faim et soif. Ok, alors... sont badly damage, c'est pas très très intéressant. On va continuer à faire le tour. Oh, chargeur de MP5, toujours intéressant ça. Là, ce serait quand même dommage, pendant que j'ai ma canette en main, de faire une mauvaise rencontre, je vous l'avoue. Je ne serais pas vraiment ce qui est le plus rassuré. Bon, bah jusqu'ici, on va dire qu'on n'est pas vraiment ce qui est le plus chanceux. Hop, petit pied de biche, en attendant de trouver mieux. Ouais, des canettes de coca, toujours utile aussi. L'amphibie, je ne le prends pas parce que c'est pas une arme très 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 intéressante. Bon bah ça peut toujours être utile. Je suis du style à toujours me perdre, donc ça peut toujours être utile. On va dire qu'actuellement on n'a pas empoché de quoi faire la guerre, mais on va dire qu'on s'équipe déjà pas mal. Un petit blaze, même si on n'a pas les cartouches. Toujours ça gagné. En plus en courant maintenant vous avez le magnifique bruit de l'arme. Très silencieux. Vous voyez tout ce qui est balle et tout ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Jouer friendly, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Est-ce qu'on sait ouvrir la capille de biche? Non.
ouvrir des canettes avec un PNB. Pourtant, je vous jure que je serai dans ce monde. Je peux vous jurer que la canette, je l'ouvre. Hein. Au pied de biche. Et vas-y. Ah bah voilà, nouveau bandana, lunettes. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Ah, ça c'est les lunettes que j'apprécie assez bien. Mais bon, celles-là sont dans un meilleur état. On va prendre tout ce qui est dans un meilleur état, histoire que ça ressemble à quelque chose. Si vous êtes souvent, je pense que les bandanas, il est possible de les mettre sur les visages même. Les nouveaux, du moins ceux qui sont sortis avec la 047. Et désolé si je ne parle pas très fort. Chez moi, il est quand même 1h du matin. Et j'ai un frère qui se lève très tôt pour regagner le travail. Nous sommes en pleine semaine, donc... Le travail est là, on va dire. Donc je suis désolé si je ne parle pas très fort. Je ne désire pas réveiller ma famille. Bon, juste qu'ici, matériel médical, c'est pas gagné. Hein, c'est pas ce qu'on a ramassé en masse, je vous l'avouerai. Mais avec ce petit bandana vert, ça peut avoir son petit effet. Bon, on va essayer de retrouver l'hôpital. L'hôpital ou le dispensaire. Comment c'est pas un dispensaire par là? Oh, zombie. Pour un zombie, ça c'est pas vraiment une solution. Il n'est pas vraiment équipé pour faire beaucoup de combats actuellement. Aujourd'hui, oui, comme je l'ai dit, je ne joue qu'une heure, une demi-heure, une heure. Parce que même chose, je suis en pleine semaine, donc en pleine semaine de boulot. Donc je ne peux pas me permettre de jouer des heures et des heures. Mais je vous rassure, plus tard les streams seront beaucoup plus longs. On fera des streams de 4-5 heures, même plus. Dans l'avenir. Voilà, un deuxième sac. Oula. Oh, elle a l'air bien avec le pantalon vert, un bandana vert et tout ce qui va avec. Là, ça donne son petit effet. Voilà déjà de quoi charger de base, on sait jamais. S'il y a quand même trop de lits ou si la situation tourne mal, on a quand même de quoi se défendre. Même si, comme je l'ai dit, contre les joueurs, on va essayer de ne pas utiliser d'armes. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est quand même beaucoup de joueurs et certains ne sont pas très friendly. Je vous l'avouerai. Donc on verra. On verra la suite. On verra comment ça va tourner. Allez, on enchaîne alors. Matériel médical. Hein, on va essayer de croiser les doigts un petit peu. On va toujours fermer la porte. Même si je pense qu'à travers ces portes-ci, les zombies passent. Voilà, quelques grands travail. Oh oui. Beau ce bandana. C'est malheureusement un des problèmes qui se produit actuellement avec les mises à jour, c'est que ça rajoute beaucoup d'équipements, d'armes et tout ça, alors que bon. Il y a quand même des choses prioritaires qui doivent être réparées en premier qui ne le sont pas. Beaucoup de gens en veulent à Bohemia pour ce genre de choses. Mais c'est sûr que ça fait quand même toujours plaisir de trouver un petit bandana bien stylé. Ou une arme qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein, on ne va pas se voiler la face non plus. On fait pas un live. Je ne fais pas un live pour critiquer les gens de chez Bohemia. Je ne suis pas là pour ça.
je joue quand même des heures et des heures à ce jeu, je me suis dit qu'il serait bon d'en faire profiter d'autres personnes. Voilà, là on est dans la merde. Ça a bien bugué. En fait, il m'a déjà touché deux fois au moins. Bon. En régulier, j'avoue que comme on m'a dit, c'est pas vraiment facile de tuer un zombie. Bon, j'ai pris une clé. J'espérais juste pouvoir ouvrir les canettes, mais c'est pas le cas. Donc, on est dans la merde parce qu'actuellement, joueur a faim et soif. Et je veux dire que je n'ai absolument rien pour le nourrir. Ni pour lui donner à boire d'ailleurs. Bon, on va se mettre en mode hardcore. Il paraît qu'en mode hardcore pour tuer les zombies, c'est bien plus facile. Sont dans un bon état. Voilà, on va changer ça. Donc on est parti, on va enchaîner. J'ai pas trouvé le dispensaire, les amis, je sais pas où il est. C'est un peu dommage. Voilà, je trouve plein de canettes, mais rien pour les ouvrir. Enfin, bon, en sécurité, maintenant on se comprend. Okay. Bon, bah, on va lire un bouquin. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On n'a pas beaucoup de chance au loot. Plein de canettes, mais absolument rien pour les ouvrir. Commencer à être mal. J'espère pas tout de suite. Bon, ils sont pristines, donc on va se faire plaisir. Pristine, s'il y en a qui ne savent pas, ça signifie que c'est en bon état. À la ville suivante, espérer avoir plus de chance. Je fais une petite pause le temps d'atteindre la ville suivante et on se retrouve dans quelques instants. Product not yet rated. Okay.
re tout le monde et on se retrouve immédiatement parce qu'on s'approche de l'habitation. J'avais oublié que j'avais looté des canettes tout à l'heure, donc ça m'a permis de boire déjà. Donc déjà je n'ai plus soif, mais j'ai faim. Donc on trouve les petites habitations de bord de mer qui j'espère n'ont pas été totalement fouillées. Ah, mais ces bandanas ont quand même une sacrée tête, je trouve. Voilà, ça fait un vrai bandit. Le but de ma collection, c'est d'aider d'autres joueurs. Et là, je ressemble plus à un bandit qu'à une personne qui veut aider d'autres joueurs. Mais bon, on espérera que les autres joueurs ne le voient pas de la sorte, j'espère. Sinon, je pense qu'on ne fera pas long feu. Et ces bandanas sont pratiques, pouvoir se les mettre dans la face comme ça, on pourra différencier ceux qui sont plutôt bandits de ceux qui sont plutôt friendly. Il n'y a pas grand chose à manger. On est mal les amis, c'est moi qui vous le dis. On va continuer notre course en gerbé à essayer de trouver quelque chose d'intéressant. C'est pas gagné. Boire un coup, je vous rassure, c'est une boisson énergétique bien connue et pas de l'alcool. Vous faites pas d'idées. Voilà, même chose que dans le jeu, moi aussi j'ai soif, donc on va quand même pas se priver. Comme vous pouvez constater, on n'a pas peur, hein. On court en plein milieu de la route, on sprint en plein milieu de la route. Et je n'ai toujours pas de quoi ouvrir des canettes. Ça commence tout doucement à me stresser. Franchement, je ne sais plus exactement à quelle position je me trouve en plus. C'est ça le pire. J'ai un ami qui est là justement. Un ami qui est en train de jouer à DZ, mais qui n'a pas voulu participer au stream live. Ce sera peut-être pour une autre fois. On verra. C'est incroyable ces courses, hein, on a beau dire, ça peut quand même être très long. J'avoue que le jour où Bohémien nous mettra un petit vélo, ça fera toujours plaisir de se balader en vélo. En plus, si c'est le vélo qui est comme dans le mode, je me vois bien me balader. Ça risque de pas faire très très sérieux, mais bon. Disons que ça risque d'être intéressant. Ouais, comme vous le voyez aussi, j'ai laissé l'overlay activé sur Steam. Ouh, ce qui fait qu'on commence à être quand même pas mal nombreux. Pas mal de gens sur le serveur. Je pense que même le serveur est complet, si je ne me trompe pas. Information, vous avez des informations de connexion. En bas à droite de votre écran, c'est l'IP de connexion serveur. Un serveur FRRP, français et roleplay.
abandonner cette vue le plus souvent en replay. Et puis on essaie d'éviter au maximum le PVP sauvage, le PVP inutile. Ce que beaucoup d'entre nous trouvent très bête. Je suis en mode cool, je suis en mode tranquille, comme vous pouvez sûrement l'entendre. Parce que bon, bien penser que j'ai fini de travailler aussi à minuit. Donc c'est vraiment une petite partie relax, histoire d'essayer de retrouver un petit peu d'équipement. Et là, il y a deux zombies. Si j'aggro les deux, je suis foutu. Si j'aggro les deux, je vais être obligé de sortir mon arme. Me battre avec mon arme, ce qui est vraiment pas pratique dans cette zone. Que depuis la 0.47, quand on sort son arme et qu'on tire, on aggro tout ce qu'il y a autour. Et on fait revenir de nouveaux zombies, etc, etc, etc. Je pense que c'est trop tard. On va voir pour essayer de se défendre comme ça. Comme vous le voyez, c'est pas du tout facile. J'essaie de repérer l'endroit où se trouve la Xbox du zombie. La Xbox, pardon. On m'avait dit qu'elle était sur son flanc gauche. Ah, effectivement, sur son flanc gauche, on touche quelque chose. C'est pas gagné, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc en clair, je suis dos à lui, mais lui me touche quand même. Bon, écoutez, je